Et salut à tous, c'est Cube Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la survie. Bon, alors il y a eu deux trois problèmes, comme par exemple j'ai pas sorti de vidéo pour Noël, donc je souhaite un Noël, joyeux Noël en retard. Mais il s'est passé beaucoup de choses, j'essaie de préparer pour des vidéos. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes, désolé je baisse le son de mon jeu. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la survie. J'ai essayé d'avancer, mais comme vous le voyez déjà, j'ai perdu un full diamant. J'ai perdu mon épée. En fait, j'étais parti chercher du quartz et je suis mort. Bah après, point positif, j'ai une pioche en netherite. Mais le problème, c'est que l'épée en diamant que j'avais faite, elle était enchantée avec du aura de feu et tout. Et en fait, pourquoi j'étais dans le Nether? Parce que j'ai essayé d'avoir le level 30, enfin plus que le level 30, pour enchanter mon full stuff diamant pour après mettre accommodage. Le petit problème, c'est que du coup, il n'y a plus de stuff. Mais il y a eu du positif, entre guillemets. Par contre, j'ai plus de nourriture. Alors ça, oui, ça va être problématique. Tac, 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 tac. Je dois avoir de la nourriture quelque part dans mes fours. Non. Voilà. En plus, j'ai perdu tous les seaux de lave que j'ai. Les seaux que j'avais. J'avais fait des seaux pour pouvoir mettre dans les fours. Parce que le charbon, c'est bon. Hein, c'est démodé. On en a marre. Du coup, j'ai fait une ferme à lave automatique qui fonctionne très bien. Et puis du coup comme ça j'ai de la lave à l'infini. Alors, point positif, j'ai un peu avancé sur la maison et enfin je sais qu'est-ce que je vais faire. J'ai aussi miné, beaucoup miné. Vous allez voir. Donc là j'ai mis des coffres. J'ai fait un sol, j'ai fait un... Donc l'étage est fini, enfin le palier est fini. Il y aura un deuxième étage, il y aura un grenier. Le chemin, on va s'occuper de ça juste là, à l'instant. Quoi d'autre? Donc, je vais vous montrer à quel point j'ai miné. Et c'est bon, j'ai trouvé donc les coordonnées de la forteresse et j'ai fait un chemin. Et on pourra explorer quand j'aurai fait mon full stuff et que je serai un peu enchanté. Donc, voilà l'état du minage. Je suis pas allé de main morte. Je vous avouerai que j'avais beaucoup plus la dernière fois. Mais c'est pas grave, il y a beaucoup de diamants. Beaucoup de tout en fait. Le pire, c'est le coffre là. Un stack et 32 de blocs de cuivre. Ça va être très utile. Vous allez vous demander pourquoi. Ça me servira pour la décoration. Donc, on va commencer. Ah oui, aussi, j'ai le cheval, je sais pas si vous l'aviez vu. Il y avait une forêt de bois noir quelque part proche de chez moi, j'en ai récupéré. Ça va servir pour un projet. J'ai commencé à creuser pour ça là. Vous allez voir, ici, il y aura un chemin en deep slate. J'en ai dit beaucoup. Donc on va faire ça maintenant, on va faire le chemin, après on va faire le full diamant, on va refaire un full diamant. Et je vais vous... Mince, mauvais bloc. Donc là en cas où si j'ai besoin de nourriture, j'ai beaucoup de bottes de foin, même pour mes vaches ça pourrait être utile. Mais je sais plus qu'est-ce que j'en ai fait. Vous avez le stone cutter là. Si vous jouez un peu à Minecraft. Et je pense que là, il y aura 2-3 vidéos qui vont sortir d'un coup, si j'ai le temps et que ça veut bien. Voilà. Il n'y a pas eu d'autres changements. Si les deux au fourneau. La table d'enchant qui a dû un peu level up. Donc la ferme à la photo. Ah, le stone cutter, il est là. Alors, que je me trompe pas de truc, c'est celle-là.
On peut pas. Ah, attendez. Est-ce qu'on peut? Ah, yes, je peux. Non. Par contre, ça va être chiant, ça. Tac. Tac. Donc, j'en ai besoin d'une très grosse quantité. Vous allez savoir pourquoi. Hop. Tac. Et j'en ai besoin si... Faut que je fasse des escaliers aussi. Donc vraiment carrément je fais tous les blocs hein, on sait jamais. Tac, voilà. Le bloc de... Faut que je fasse des blocs de quartz. Alors je sais pas du tout. Je crois pas que je vais avoir assez. Hein. Oh mais là j'en ai. Oh bah parfait. Tac. On pose ça pour l'instant. Oui, vous avez vu, les coffres sont un peu vides. Je suis en train de tout déplacer dans la nouvelle maison. Donc, je ramènerai aussi tout ce qui est important, entre guillemets, dans la nouvelle maison qui me servira. Donc, maintenant, je fais des escaliers en... Faut que je fasse des escaliers en ça. Donc, j'en fais juste un stack. Ça sera suffisant. Et je garde un stack de blocs, mais il me faut des escaliers. Donc voilà. Hop. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tous ces merveilleux blocs. Donc j'ai déjà testé en créatif un peu comment ça les rendre et je trouve que ça va à la perfection. Donc si vous n'avez pas deviné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un chemin. Donc de d'ici à là. Donc tac. Alors on va échanger. Tac, 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 tac. Ok. Donc déjà. Hop. Il paraît qu'aussi vous entendez la manette. Donc, en vrai, je peux pas faire grand-chose parce que si je m'éloigne, en fait, c'est plutôt déconfortable pour. C'est pas confortable pour jouer. C'est plutôt perturbant. Donc, je peux pas faire grand-chose. Et en vrai, je pense que ça s'entend pas tant que ça, la manette. Je cherche Cascara de nouveau. Donc pour les curieux, pour savoir, pour ceux qui s'intéressent, savoir qu'est-ce que j'ai eu pour Noël. Alors j'ai eu une barre de une sorte de pas de néon, de barre de LED là. J'ai oublié le nom. Donc j'ai eu une barre de LED. Avec ceci, j'ai eu beaucoup j'ai eu de l'argent. Puis c'est tout. Ah non, je suis en train de faire une bêtise, moi. Voilà. Hein. Oh là, d'un coup là, ouais, c'est vrai. Ah, j'avais testé ça en créatif et pourtant ça rendait pas, ça rendait bien ça. Je vais voir juste après. Hop. Donc là, je pense que vous commencez à voir un peu qu'est-ce que je suis en train de traficoter. Et pour l'instant, ça rend assez bien. Ouais. Hop. Ah, désolé si je parle pas trop. Hein. C'est que je fais gaffe à pas poser n'importe comment les blocs. Parce que, hein, comme vous voyez, ma pioche est à la fin de sa vie. Donc on va aller dormir. Ouais, pour l'instant ça rend bien. Mais il y a un problème avec les blocs du haut. Ça rendait pas comme ça sur dans le créatif. J'ai dû faire une erreur quelque part. Parce que là, c'est pas du tout comme j'avais vu. Au niveau du village, vous inquiétez pas, je vais bientôt m'en occuper. On va s'en occuper, hein, vous allez voir. Je vais faire des changements au niveau de ça. Vous allez voir. Je prépare deux, trois petits trucs. Donc, si la nuit pouvait vite. Hop, 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 hop. Donc je vous explique un peu mes projets. Donc je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop petit au niveau
du stockage. Alors donc je vais faire l'étage, je vais faire donc là l'entrée. Je dis beaucoup donc. Je vais faire l'entrée là. Ici, là il y a l'entrée. Je vais faire tout ce qui est décoration et tout. L'étage, ça va être la même. Ça va être ma chambre, ça va être ta décoration et tout. Et il y aura un grenier sûrement. Ça sera. Soit je ferai un sous-sol avec tout ce qui est. Ah, c'est beaucoup mieux, je trouve. Ah, c'est mieux. Donc, soit. Ah, attendez, parce que là. Comment j'avais fait, moi? Ok, c'est bon. Je m'en souviens. Hop, voilà. Donc, soit. Ah, attendez, il faut que j'arrête de dire donc. Je vais sûrement faire le grenier. Je sais pas qu'est-ce. Soit je fais la salle des potions ou la table d'enchantement. Parce que la table d'enchantement, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. J'ai aussi trouvé un spawner par hasard. Un spawner d'araignée, ça m'arrange pas du tout. C'est les pires spawners. Si vous savez, vous jouez un peu à Minecraft, vous comprenez pourquoi. Car ceux qui savent pas trop, les araignées sont super dures à gérer au niveau du spawner, car elles s'accrochent au mur. Hein, c'est pas incroyable, incroyable comme type de spawner. J'ai cherché pendant longtemps, j'ai trouvé zéro autre spawner. J'aurais bien voulu un spawner à squelette ou à zombie. Même un spawner à zombie, ça m'aurait plu. Car bon, pour ceux qui sont pas trop connaisseurs de Minecraft, on peut booster grâce à la lumière, enfin en utilisant la sombre. En utilisant le côté que quand il fait nuit, ça spawn machin, et ben on peut trouver en sorte que ça spawn plus vite. Je sais pas si du tout ça a été clair. Mais bref, donc. J'arrête pas de dire donc, ça me saoule. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Ah oui, et du coup, on peut aller super vite au niveau du level 30 avec juste un spawner à zombies je me souviens sur mon ancienne survie en à peine 30 minutes, même pas, j'étais déjà level 30. C'est énorme, c'est tellement bien. Et je me suis dit que je pourrais faire le même principe avec le spawner à squelette parce que les bonnes mille, la bonne mille, c'est super utile dans une survie. On en utilise beaucoup et beaucoup. Mais non, je n'ai pas trouvé de spawner à squelette. Pour l'instant, ça a l'air de rendre bien. J'ai pas l'air d'avoir raté quoi que ce soit. Et avec toute la terre qu'on a, on va peut-être essayer de terraformer l'île où on est. Ah, oh, ça rend super bien. Ouais. Faut qu'on soit en hauteur, mais j'ai. Attendez, bah oui. Ah ouais, ça rend super bien. Et je pense que je mettrai des lumières pendant le long du chemin. Fais voir. Je suis pas en hauteur, mais ça a l'air de rendre super bien. Attendez, on va se mettre en hauteur. Ah ouais, ça rend super bien. Bon, c'est un peu dérangeant les escaliers en quartz que vers la fin, enfin le milieu entre guillemets. Donc je pense que je vais. Oups, alors je savais pas que j'étais plus en accroupi. Je pense que je vais mettre aussi des escaliers blancs au début de l'entrée de la maison. Ouais, je pense que je vais faire ça.
On va voir. On va faire 2-3 petits tests pour voir si ça rend bien. Oh mais punaise. C'est bon. Tac. Donc on va tester ça tout de suite. Alors, tac, tac, tac. Hop, 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 hop. J'ai mis aussi un paratonnerre, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est ce bloc. C'est un bloc qui a été ajouté en 1.18. Enfin, en 1.17, 1.18, on va dire. C'est-à-dire que, comme vous savez, ça a été coupé en deux parties. Et puis. Ah, attendez, parce que en même temps, je suis en train de réfléchir. Non, mauvais bloc. Non, ça rend pas bien. Après, je trouve que ça va faire beaucoup de plans. Donc que ça prend bien. Tac, 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 tac. On va tester, on va tester. Tac. Alors, voyons voir. Ouais, si, ça rend vachement mieux. Oh, attendez, on va voir d'en haut. Ouais, si, oh. Et en fait, j'aurais dû me mettre là pour le point de vue. Ah, si, si, c'est vachement mieux, je trouve. Donc, donnez-moi une petite note hein, pour ceux qui veulent sur 10 hein, au niveau du chemin. Moi, je mettrai une petite note de. Allez, de 9 à peu près. Il me manquerait de l'éclairage. L'éclairage. Ouais, c'est bien en fait. Donc, on va se faire le full diamant. On va se refaire une épée. Ouais, je vais poser tous les blocs aussi. Après, il faudra que je déplace tout le stuff qu'il y a entre mon ancienne maison et ma maison actuelle. Alors, il me faut pas beaucoup de diamants. On va dire 32, ça sera suffisant. J'ai déjà le casque. Donc, plastron, pantalon. Voilà. Il me faut du bois. Est-ce que j'en ai là? Ah oui, j'ai deux de bûches, donc parfait. Tac, 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 tac. Donc bâton. Épée. Alors, truc miracle, enfin je sais pas si c'est de la chance ou pas. Mais j'ai perdu mon épée et tout, mais j'ai pas perdu ma hache. C'est le seul item qui n'a pas brûlé avec aussi mon casque. Et ma pioche, mais ma pioche elle est en netherite donc logique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est les deux seuls, trois seuls items qui n'ont pas, qui ont survécu à la lave. Enfin, non, ils n'étaient pas dedans. C'est juste que c'est les seuls items qui ont réussi à survivre. Bref, donc, en plus, le pire, c'est qu'elle n'est pas extraordinaire. Cette pioche, vraiment, elle est super basique. Cette hache, pardon. Cette hache est super basique au niveau des enchantements. Elle est tellement. Bah, comme je viens de vous montrer, elle est que efficace. Alors, non. Alors, ça va être une mauvaise habitude. Voilà. Désolé. Alors, petit projet aussi que j'ai eu. Enfin, faut pas que je m'éparpille. Donc, j'ai enchanté mon épée là. Et avec du aura de feu, si j'ai un peu de chance. Et j'ai eu une idée. Je vais faire une ouverture de mine derrière chez moi. Dans la montagne, limite. Je vais faire une ouverture de mine comme un peu à l'époque, là. Le cliché. Avec des bûches de bois. Oh, j'ai oublié le lapis. Le cliché où il y a. Attendez, j'en ai peut-être là-dedans.
avec des poutres en bois sur le côté et des poutres en bois, ouais. Et avec une super entrée avec des lanternes, machin. Donc c'est ce cliché-là. Je vais faire ce truc-là, car j'aime beaucoup les entrées de mine un peu de ce style. Et je pense qu'on va faire ça dès le prochain épisode qui sortira bientôt. Très bientôt, très bientôt. Donc là, on va sûrement s'enchanter. Après, on verra le reste. Je vais prendre quoi que un peu plus de lapis-lazuli. Hop là, on ne sait jamais. J'en aurais peut-être besoin pour d'autres trucs. Tac. Ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne en rond, qu'on fait 2-3 petits trucs. Punaise, 20 minutes à parler et à faire un chemin et à vous expliquer tout. C'est rien. Bon, ça est 30 minutes, l'épisode il durera et puis après ça sera fini. Prochain épisode, je vais sûrement le tourner maintenant tant que je peux et tant que j'ai le temps. Je vais le faire. Après, si j'ai encore le temps de faire un troisième épisode, je dirais pas non, ouais, parce que je vais faire 2-3 épisodes d'un coup. Pour moi, ça risque d'être une sacrée soirée. Pire enchantement du jeu. Connaissez pas, je sais pas si vous connaissez cette technique, vous prenez un item bas de gamme, vous l'enchantez avec. J'ai commencé à prendre ma hache, hein, ça continue comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Oh! Oh! Butin 3! Ah, attendez, désolé pour la notif. Ah, mais arrêtez. C'est extraordinaire! Butin 3 sur l'épée! Aïe, aïe, aïe! C'est beaucoup trop intéressant. Je crois que je vais soit faire une grosse bêtise, soit. Ah, quoique. J'ai coupé beaucoup de bois. Attendez, déjà, j'en ai là. Voilà. Je vais pas me faire beaucoup. Mais je pense. Ah, quoique. Ah, le bois qui se forme le plus vite, c'est lui. Donc, je vais garder ce bois parce que j'en ai besoin pour mes builds. Mais ce bois-là va me partir en bâton. J'ai un fléchier et je vais faire pas mal de bâtons. Oh, il y a quelqu'un qui a rejoint. Tac. Hop. 12 émeraudes, c'est déjà bien. Ah, et ça donne que 2 levels. C'est si peu. 24 papiers. 32 bâtons. Non, pas toi, 32 bâtons. Ah, mais pas toi. Toi, là. Un, de large deal. Je sais pas si j'ai... Oh, 20 de blé. Oh, je sacrifie. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui. Donc je sais pas si vous connaissez, mais quand vous avez un item avec un bas enchantement, vous le désenchantez pour avoir un autre enchantement mais plus intéressant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher mes bottes de foin et je vais faire un maximum de bénéfices. Je pense que j'ai aussi nourrir un peu mes vaches. Après, c'est vrai que j'ai des champs de blé, mais le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de blé qui pousse. Après, enfin là, ça, si ça a bien poussé, mais c'est chiant d'attendre. Donc, ah, mais arrête de dire donc. Je vais faire en sorte de passer level 30. Enfin, ça va être très dur, mais je vais essayer de passer level maximum avec en échangeant. Et sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais miner du quartz. On se retrouvera. Ah non, j'ai pas envie de faire de coupure parce qu'après, j'ai peur que je termine jamais la vidéo parce que j'aurai plus le temps. Parce que ça me prendra plusieurs heures là avant de farmer du
l'eau, le monde du quartz. Alors, tac, 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 tac. Ah, il m'en échange plus maintenant. Je vais farmer du blé en attendant. Tac. Ouais, donc j'ai peur de plus avoir le temps après. Alors, du coup, je préfère faire ça maintenant, mais j'ai peur que ça prenne aussi beaucoup de temps. Par contre, je suis monté de 2 levels. Ah, le blé est plus intéressant. Après, quand. Je sais pas si. Non, c'est pas possible de faire de l'argile, je crois. Parce que sinon. Je me lançais sur du business d'argile. On commence déjà à être en multijoueur sur la survie. Donc, bon, pour l'instant, on n'est pas nombreux. Mais il y a, comme vous avez vu, là, il y a déjà un joueur qui a rejoint, mais c'est pas lui. Lui, il joue pas très souvent. Mais j'ai des potes à moi, des potes à moi, qui ont commencé à jouer et qui vont sûrement beaucoup jouer. Bon, pour l'instant, ils sont beaucoup occupés avec ces fêtes, mais sinon ils ont joué, on a joué beaucoup ensemble et il va déjà commencer à build sa maison, donc ça va être très intéressant. Il y aura déjà du multijoueur et voilà. Le villageois m'échange toujours pas. L'argile. Des bâtons. Attends. Non, c'est pas toi, c'est l'autre. Pousse-toi. Ah, mais il les change encore. Ah, c'est que j'avais plus de bâtons. Ok. Ouais, mais il va pas me changer beaucoup là en le connaissant. Écoute, en plus, il y a un autre. Fais chier. Je sacrifie. Je sacrifie. Je sacrifie. Parce que là, j'en ai. En plus. Hop. Donc, je vais sacrifier ce bois. De base, ça devait rester bien au chaud pour la maison, mais bon, écoutez, ça sera dans l'utilitaire. Ok, il échange déjà plus. Autre fléchier. J'ai plus de bâton. J'ai 39 émeraudes, je vais déjà pouvoir échanger un livre raccommodage. Et je suis passé level 16. Level 16. Ça continue comme ça peut être ça peut aller assez vite hein. Et je crois que je vais commencer déjà à mettre du raccommodage sur mon stuff, même si pour l'instant ça me sert à rien. Ah, j'ai déjà plus là. Ah, faut que je nourrisse sinon mes vaches. Et la vidéo fait déjà bientôt plus de 30 minutes. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que le temps passe vite? Ça sera la partie 1 ou ça vraiment ça. Non, quoi que. Je trouve que c'est trop chiant après plus de 30 minutes. Donc il y aura une deuxième partie. Tac. Voilà. Ah oui, je suis passé que level 17. Donc il y aura sûrement une deuxième partie. Cette fois-ci, j'irai dans le Nether. Et on minera et peut-être qu'on ira dans la forteresse dans la partie 2. Mais il reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire le premier livre raccommodage avant que la vidéo soit terminée. Hop. Après, j'ai pas de papier. J'ai plus de papier. Bon, si ça fait un peu. Si ça fait 31 minutes, c'est pas très grave. Voilà. On va faire le premier livre raccommodage. Et on va faire ça sur la pioche. Parce que la pioche, c'est ce qui a le plus level up. C'est ce qui est le plus intéressant surtout. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que si j'ai plus de pioche, plus de stuff. Il est là, le bibliothécaire. 1, 2. J'ai plus d'émeraude, ok. Donc voilà, on va le mettre tout de suite sur ma pioche et il m'en reste un. On va le garder parce que ça sera sûrement utile. Ah, mais oui, j'ai usé mon XP là. C'est pas grave.
Comme ça réparera ma pioche pour la partie 2. Ah ouais, ça m'a fait beaucoup perdre. Pour la partie 2. Donc ça va être la fin de la vidéo pour la partie 1. J'espère que ça vous aura plu. La partie 1 sortira sûrement ce soir. Et la partie 2, on est mardi. Elle sortira dans la semaine, peut-être, ou ce week-end. Bon, elle sortira, vous inquiétez pas. Peut-être, sinon, pour le nouvel an. Non, ça fait lointain quand même. Ah, quoique, on est le 28. On est 28, 29, 30, 31. Ouais. Ah. 3 jours. Bah écoutez, je pense que la partie 2 sortira au nouvel an. Donc je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis ciao ciao. Oui, bon, l'outro la plus éclatée de la chaîne. Au revoir.